Alors ici, dans InDesign, je vais procéder d'une certaine manière pour avoir trois blocs de dimensions identiques superposés. Écoutez, je vais garder les choses simples en fait. On va créer un premier bloc sur le côté de la page là. Voilà. Je vais le dupliquer avec la touche Alt et en utilisant la flèche noire, je vais le dupliquer. Voilà. Trois blocs identiques. Je vais aller chercher les images, fichier importé. C'est donc mon dossier image Colorado. Là, j'ai fait fichier exporté. Ça commence à devenir la fatigue. Fichier importé, j'avais dit, voilà. Fichier importé. Je vais chercher les trois images d'un coup. Elles sont toutes les trois dans le curseur. Je clique sur mes trois blocs et voilà, elles y sont. Bon, là, ça va, on n'en avait que trois, mais si vous en avez 20 ou 30 à aller chercher, je vous montrerai une autre technique qui est plus rapide. Et qui ne nécessite pas de créer les blocs à l'avance. Enfin voilà, vous avez vos trois images, vous les sélectionnez toutes les trois. Vous allez dans le menu fenêtre. Objet et mise en page alignement. Ça va? Bon, vous avez peut-être la palette qui arrive comme ça, c'est bon aussi. Avec les options ou pas, peu importe. J'aligne sur la verticale. J'aligne sur l'horizontale. Et voilà, elles sont toutes les trois parfaitement superposées. Donc j'ai juste utilisé cette icône-là et celle-ci pour que les trois images aillent l'une sur l'autre, toutes seules.